Aujourd'hui, on découvre Lies of P. Donc, si tu veux découvrir le jeu ou juste passer un bon moment tranquillement en ma compagnie, eh ben, t'es le bienvenu. Donc, on va lancer. Can you hear me? Geppetto's puppet. We need your help. Bon bah du coup je vais avancer hein, on se retrouve dans un train. Attends, il y a une arme là. But the streets are not safe. It'll be helpful on your way to the hotel. Alors j'ai le choix, sélectionner un style de combat. Force, dextérité, équilibre. J'ai entendu que sur Elden Ring, le style force, c'est le style le plus skill. Ça veut dire il est compliqué à gérer. Bah c'est celui qui a le plus de mérite, donc on va prendre force. Donc, c'est parti. Alors, par où on s'échappe? Ouvrir la porte. Là-bas, il y a un ennemi déjà. Mais on sait pas trop ce qui se passe, hein. Oh, ça, c'est la garde. Ok. Ok, c'est pas mal. Oh, c'est lent, mais c'est stylé. Oh, my bad. Hop. Je suis vraiment pas un joueur du style de jeu Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne, Sekiro, tout ça. Même si je suis conscient qu'ils n'ont jamais joué, mais je sais qu'ils sont très bien. Mais je compte y jouer prochainement, donc là, ça veut dire que là, normal si je suis pas à l'aise avec le gameplay. Là, il y a encore un ennemi. Bon, ils sont simples, hein. Oh là là, mais wesh, la sensation. Eh, ça me rappelle les gameplays que j'ai vu sur Elden Ring. Ça veut dire que ça doit être trop fou, la sensation de jouer à des Souls-like, des From Software et tout. Bon bah on va continuer d'avancer du coup, hein. Faut vraiment aller vers l'objectif, quoi. Mais il faut une clé, non? Effectivement. Donc on va chercher la clé. Ouais, je l'ai énorme, lui. Dégage. Hop. Ah, mais ça veut dire que je peux prendre son arme. Attends, en fait, j'ai envie de tester l'attaque lourde. Ah, c'est des combos. Attends. Ok. Et ça, c'est juste appuyé sur l'attaque lourde. Ah, bah, c'est juste deux attaques. Ok. Et je peux pas ramasser son petit arme. Enfin, sa petite arme, là. Non, parce que je bosse pas pour moi. Mais ce qui est bien, en plus, c'est que dès que tu leur mets une attaque, après, ça y est, ils doivent s'en remettre. Ils ont pas le temps de t'attaquer. Donc, tu peux enchaîner. Alors, note de passage. Ouais, sortez de la gare et fuyez. T'inquiète, nous on fuit pas, on est des... Wouah, qu'est-ce qu'il fout, lui? Je le target. Ah, bah il m'a vu. Oh, on dirait ce combat Malenia, frère. La vérité, je combat juste un petit boss mignon. Mais c'est ça, en fait, surtout quand tu combats les boss. C'est à force de les combattre, tu comprends les patterns, comment ils fonctionnent et tout. Puis, tu peux utiliser ça à ton avantage. Bon, je crois pas avoir trouvé la clé entre-temps. Hein. Peut-être que je l'ai ramassé sans faire exprès sur un cadavre. On va essayer d'ouvrir. Ah bah ouais. bah c'est bon, alors. Oh, cette image, je l'ai tellement vue, où on rentre dans le monde de l'aventure. Enfin, ça commence vraiment ici, quoi. Récupérer le Stargraders. C'est quoi, ça? Attends, non. Stargazer. Ah, en gros, c'est un checkpoint, quoi. En gros, c'est un checkpoint, ouais. Oh, il y a un cheval mort. Wesh, mais le chien, il est rafistolé. C'est quoi, ça? Oh, je suis pas venu pour ça, moi.
C'est quoi ça? Lost Flow et Ego Recovery. Bon, j'ai pas compris. Alors, voir les détails, vas-y. La grande exposition de Krat a été repoussée. Cette décision a été prise en charge pour protéger les habitants. Moins que la frénésie des marionnettes qui a paralysé la ville soit maîtrisée. Ça a commencé. Oh, beaucoup trop de lettres. Je suis désolé. Bon, bah, on va avancer ici, hein. Je sais pas ce qu'on va trouver. Mais on va visiter. Franchement, ça me plaît beaucoup, moi, l'exploration. De toute façon, vous commencez à savoir avec le temps. Donc, ouais, effectivement, le gameplay, il est plutôt lent. Mais après, c'est parce que j'ai un combo. Enfin. J'ai un perso force. C'est sympa. Ça change de ce à quoi je joue d'habitude. C'est la raison pour laquelle j'ai envie un peu de découvrir cet univers des Dark Souls, Elden Ring, Sekiro, tout ça. Parce que je sais que c'est bien. Ici, quand il y a ce logo, ça veut dire qu'on peut rentrer. Quand il y a ce truc là. Ah. Ah ouais, on peut grave rentrer, hein, ce que je vois. Ah ouais, on peut rentrer. Bon, on va décaler parce que... Alors. Ah ouais. C'est vraiment en ruine, hein. Oh, il y a déjà le bord de la mer et tout. Parce que ça, en plus, c'est le genre de paysage que tu vois dans longtemps. Enfin, longtemps après avoir avancé et tout. Ah là, il y a un ennemi. Il est bourré, lui. Ah, mais c'est un boss. Ok. On va pouvoir tester le truc, là. Hop. Shift F. Non, 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 non. Pas ça, pas ça. C'est bon. On est chargé. Ah, j'ai compris. En fait, on peut charger la poignée et on peut charger la lame. C'est pour ça que c'est séparé. J'imagine qu'avec la poignée, on a plus de dextérité et de maniabilité. Et la lame, bah, plus de dégâts. Ouais, l'autre, il a même pas de tête. Oh, Rachid, t'as même pas de tête, là. Tu fais quoi? Ah, par contre, j'ai pas de vie. Voilà. Alors... On peut pas avancer par là, hein. C'est... Je trouve que c'est un peu désagréable la façon dont ils ont bloqué. Genre, il y a un cadavre de cheval, il y a une calèche. Laisse-moi vite fait lui mettre un coup de grâce par derrière. D'accord, donc c'est une exécution qui fait un ensemble de coups tout seul. Alors, là, est-ce qu'on peut passer? Enfin, on peut ouvrir. Ah, mais c'est où je voulais ouvrir tout à l'heure, je crois, mais... Ok, il faut faire de l'extérieur. J'ai compris. Mais du coup, mon arme... Attends. Wouah, maintenant, on défonce les portes. Attends, mais non! Puis quand je voulais changer mon arme, il y a un gros boss en face de moi. Attends rapidement que je... Ah, mais ça joue encore! Ah! Bah oui, putain, on n'est pas sur Zelda, là. Il est plus rapide que moi, je peux pas m'échapper. Ah, si, je peux. Non, ah, je peux pas! C'est le moment. Oh, non, c'est pas... Bon, bah... Moi là je vous prends en voix off parce que j'ai littéralement passé 2h30 contre ce boss et j'ai fait 33 tentatives, je rigole même pas, c'est les vrais nombres. Ah, j'en ai marre. Parce que j'ai fait que d'essayer de le vaincre mais à chaque fois fallait faire tout le chemin pour le combattre. Mais en plus c'est des... Pouah. Ils sont vraiment sadiques, hein. Ils ont mis le spawn, enfin il est à l'opposé du spawn, il n'y a pas de checkpoint, ça veut dire ils ont volontairement fait en sorte que tu dois marcher, marcher, marcher. Sauf que le problème c'est que sur le chemin il y avait des mobs. Oh encore ce chien de merde. Et en plus c'était loin donc j'en pouvais plus. Je vais passer 4 heures sur ce jeu mais j'en peux plus. Parfois je faisais des misclics, je sais même pas ce qui se passait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est quoi ce bordel encore là? Mais à un moment j'en pouvais plus de progresser aussi lentement et donc j'ai regardé un tuto. C'était chaud là, merde. Ensuite j'ai persévéré et je suis arrivé à ma dernière manche face à ce boss. Plus le temps passe, plus je me rapproche de la victoire, c'est plus une question de temps avant que je le batte. Le moyen à celle-là je le batte. Hein. Oh.
Flight, flight. On rage comme sur un Souls like, hein, t'inquiète même pas. On rage comme sur un Dark Souls, hein, t'inquiète même pas. Oh, je vais le battre. Oh, oh les mecs, les mecs. Non, 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 non. Je vais le battre. J'y crois cette fois. Oui. Enfin. Est-ce que tu me crois si je te dis que j'ai passé... Attends, combien de temps 2h15. Non, si mec, j'ai passé 2h15 sur ce boss. La vérité maintenant, j'ai la persévérance, j'ai la discipline, j'ai continué jusqu'au bout. Je l'ai enfin vaincu, j'ai regardé un tuto, j'ai appris les mécaniques de stamina, j'ai appris les... Oh là là, c'est trop bien frère. Il n'y a pas une récompense ou un truc genre bravo. Mais le pire c'est quoi? C'est que ce boss, je sais qu'il est mignon. Mais c'est ça en fait le problème de ces jeux, c'est que c'est ultra dur. Et vas-y, mentalement, ça te détruit. Mentalement, vous avez vu sur les extraits frère, ça m'a trop... Waouh. Y'a pas quelqu'un qui veut me féliciter un peu là? Maintenant c'est bon, je peux battre n'importe qui avec après avoir vaincu ce boss. Enquêtez. Le plus grand luxe que vous ayez jamais connu, faites-vous plaisir. Oui, oui, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. The hotel security excludes puppets like you, so you'll have to lie to get inside. You're a special puppet after all. Welcome to the sanctuary of the Grand Covenant. Who are you? Grand Covenant's fourth law. A puppet cannot lie. Welcome to Hotel Krat. Let's go, je suis à l'hôtel pour ma récompense pour avoir vaincu ce boss. Oh, je suis trop heureux de... Wow. Tel, le temps que j'ai passé. Mais j'ai passé 2h20, tu te rends compte? Wow. Bon bah je pense qu'on a fait le tour de la démo, de toute façon si tu veux acheter le jeu je te mets le lien sur G2A, coûte à peu près 37€. Donc moi ça m'a fait plaisir et je te propose juste ici une vidéo sur Sniper Elite 4 qui était vraiment bien, franchement j'ai kiffé le jeu. Je te souhaite un bon visionnage et à tout de suite.